Quel plaisir et quelle joie de pouvoir vivre ensemble cette fin d'après-midi un peu obscure, un peu pluvieuse. Mais du coup, peut-être on a trouvé là un abri confortable pour passer. Alors on ne sait pas trop comment on l'appelle. Est-ce que c'est un concert spirituel, un culte musical? En tout cas, ça sera une expérience de partage de textes et de chansons. Et comme 90% de ce que vous allez entendre n'a jamais été chanté en public, vous êtes drôlement audacieux. Et j'espère que vous serez aussi bienveillant et indulgent avec nous. Ce projet musical est né d'une longue amitié avec mon collègue de l'Église libre, le pasteur Sylvain Guiton. Ça remonte à nos années de jeunesse, à notre objection de conscience, à la Ligue pour la lecture de la Bible. À l'époque, nous encourageions les lycéens à se saisir de la Bible et à la lire librement entre eux. Et un peu plus de 25 ans plus tard, finalement, on fait la même chose. Mais on est devenu pasteur depuis, et puis on a eu la belle surprise de se retrouver à Lyon il y a quelques années. Et puis on a eu aussi la joie de trouver aussi d'autres musiciens qui se sont joints à nous, Zouan, et puis Stéphane, et Raphaël, et puis aussi aux manettes Alexis. Et on est très reconnaissant de pouvoir partager avec vous ce temps musical. Coram Deo, cette formule latine qui signifie devant Dieu, c'était une expression qui était chère à Martin Luther. Pour lui, la vie humaine et la vie de foi trouvaient sa résonance dans ces mots. Finalement, vivre comme un être humain devant Dieu, c'est cela la foi chrétienne. Nous placer devant Dieu. Et puis non seulement vivre en ayant conscience que nous vivons devant Dieu, mais aussi en étant attentif au regard de Dieu sur nous, à la parole de Dieu pour nous. Et vous allez voir que tous les textes que nous avons choisis ont ce trait commun de nous donner à entendre peut-être justement le point de vue de Dieu sur notre réalité humaine. Alors les textes que nous avons choisis ont une belle qualité de textes. C'est pour ça d'abord qu'on les a choisis. Ils sont signés de grands noms, Dietrich Bonhoeffer, Martin Luther King, William Booth, Sœur Myriam, Sœur Odette, beaucoup de textes aussi de la règle de Reuilly. Des belles qualités littéraires de ces textes, mais ce qui nous a accrochés, c'est parce que c'est des textes qui ont été portés, mûris, dans la foi, et puis c'est des paroles qui ont été incarnées parfois jusqu'au bout de la vie. Alors, c'est ces textes qui nous ont donné envie de les partager. C'est des textes que nous, avec lesquels nous cheminons et puis qui cheminent en nous aussi au fil des années. Alors, c'est ce temps de partage, on est heureux de vous les offrir. Peut-être certains, vous les avez déjà lus, déjà médités, peut-être parfois depuis de longues années, vous aussi. Vous allez peut-être les découvrir nouveaux, peut-être vous serez un petit peu déroutés aussi. En tout cas, c'est le partage de ce jour. Je vous invite à faire un temps de silence, à nous rendre disponibles au souffle, qu'il puisse porter la musique, le rythme, la poésie, l'écoute, et que le Seigneur bénisse ce temps de partage devant lui.
Nous allons d'abord entendre trois textes écrits par sœur Myriam, qui fut longtemps responsable de la communauté des diaconesses de Reuilly, qui sont des sœurs protestantes. Un premier texte tiré donc de la règle de Reuilly, c'est-à-dire un ensemble de règles, de principes qui régissent la vie en communauté. Vous en entendrez un certain nombre ce soir, et nous pensons qu'ils ont beaucoup à dire au-delà de ceux qui sont engagés dans une vie comme ça, dans une vie communautaire, de sœurs ou de frères. Ils ont beaucoup à dire à chacun de nous dans les vies que nous menons. Le premier, dont vous connaissez maintenant le refrain, et je compte sur vous pour le chanter avec nous, nous parle de cette vie, nous invite à la vie pleine, dans la foi, avec celui qui est l'auteur de la vie. Et le deuxième est une invitation à la prière. Prier, dit le texte, c'est se tenir devant Dieu, c'est juste être là. Alors, eh bien, chantons et chantons ensemble, vivants. Communion.
dans l'admiration. Largeur et hauteur, longueur, profondeur, de l'amour infini de Dieu. Amour qui surpasse la sagesse et l'espace, devient vivant, reste vivante, l'Esprit de Dieu. Lorsque la nuit tombe et au fond de soi, comme une espérance, peut-être aider un homme très loin de nous à vivre, peut-être même toucher le bord de ta lumière. Être là, Seigneur, presque sans parole, être là, Seigneur, comme cœur qui aime. N'a de regard ailleurs que sur ce point de feu d'où émerge la vie et qui nous change en flamme. Être là, Seigneur, à ta source puiser l'eau et nous plonger dans ta présence. Être là, être là, être là, Seigneur, Dieu de paix, Dieu vivant. Par ton esprit, donne ton souffle à ce monde. Toi qui relèves nos vies, toi qui relèves nos vies. Être là, Seigneur, lorsque la nuit tombe et au fond de soi, comme une espérance, peut-être aider un homme très loin de nous à vivre, peut-être même toucher le bord de ta lumière. Être là, Seigneur, simplement tourné vers toi, avec ceux qui peuplent nos cœurs. Être là, être là, être là, Seigneur, point tranquille, tourné vers toi. Pas un instant n'est perdu, pas un instant n'est perdu. Dieu compagnon, toi qui te tiens tous les jours en nous, entre nous, sois
es avec nous maintenant. Sois avec nous maintenant. Être là, Seigneur, à ta source, puiser l'eau et nous plonger dans ta présence. Être là, être là, être là, Seigneur, Dieu de paix, Dieu vivant. Ce monde, toi qui relèves nos vies, toi qui relèves nos L'homme d'espérance est un veilleur. Il est campé dans les nuits. Mais l'unique clarté fait chanter son âme. L'homme d'espérance est un veilleur. L'homme d'espérance est un cri. Il annonce le jour lorsque rien ne le montre. Il proclame des pas quand tout paraît désert. Il crie que quelqu'un vient alors qu'on n'attend plus. L'homme d'espérance est un cri. L'homme d'espérance est un cantique. Il chante à pleine voix pour réveiller les morts. Il n'a rien d'autre à faire sur la terre des morts que de passer sa vie à raconter la tienne. L'homme d'espérance, Seigneur, l'homme d'espérance est ton cantique. On peut être nourri par la profondeur de ces textes, de la règle de Reuilly, des textes qui viennent donc de la vie contemplative, de la vie intérieure, mais aussi on peut être nourri et encouragé par la profondeur des engagements de certains. Il y a un homme qui a beaucoup marqué notre société, alors je vais dire son nom à la française, c'est William Booth, le fondateur de l'Armée du Salut. Un enfant issu de familles et de milieux pauvres qui s'est levé et qui a fait de sa vie un engagement de foi au service des autres. Il y a un très beau texte que nous avons voulu partager avec vous, dans lequel il dit sa détermination à se battre contre l'injustice, contre la misère. Alors, je vous invite à vous lever pour ce chant. Et vous savez que vous avez le droit d'applaudir, de taper dans les mains, de danser. C'est là où je vous laisse décider si vous êtes dans un culte ou dans un concert. Peut-être les deux. En tout cas, on sait qui est au centre. Des femmes qui pleurent,
je me battrai tant que les enfants auront faim. Je me battrai tant que l'alcool tiendra des hommes dans ses liens. Tant qu'une fille vendra son corps, je me battrai avec toi, Seigneur, contre la détresse, contre la misère. Je m'élèverai avec toi, Seigneur, contre la peur et la haine, le doute et la lassitude. Je me dresse avec toi. Allez! Qu'il y aura des hommes en prison, je me battrai des victimes d'attentats aveugles. Tant qu'il y aura un fanatique sous les cieux pour travestir le nom de Dieu, je me battrai avec toi, Seigneur, contre l'oppression, contre la souffrance. Je m'élèverai avec toi, Seigneur. Je m'engagerai pour toujours choisir la vie où je me dresse avec toi. Choisir la vie où je me dresse avec toi. Vous pouvez rester debout. Pour ce texte de Martin Luther King, extrait de son discours à Oslo au moment où il a reçu le prix Nobel de la paix. Et c'est Raphaël qui va vous donner le modèle pour taper dans les mains. Aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l'espérance de la bonne nouvelle, je crois en l'avenir de l'homme.
Je refuse de croire que ce que nous sommes n'est qu'un peu de paille emporté par le temps, impuissant devant les événements. Non, non, je ne crois pas que nous soyons incapables de prendre soin de cette terre. Mais je crois que le dernier mot sera pour l'amour. Le jour viendra où il vaincra. J'ose croire qu'au milieu des obus reste l'espoir, que la bonté demain sera la loi. Que la bonté demain sera la loi. Contre ceux qui prétendent que l'homme est le prisonnier d'une nuit sans étoiles, nuit du racisme et de la guerre. Je refuse de croire comme inéluctable la furence des peuples et la furie des armes dans un tourbillon infernal. Non, non, je ne crois pas que nous soyons incapables de vivre en paix, de vivre en frère. Mais je crois que le dernier mot sera pour l'amour. Le jour viendra où il vaincra. J'ose croire qu'au milieu des obus reste l'espoir, que la bonté demain sera la loi. Que la bonté demain sera la loi. On va refaire le refrain ensemble. Est-ce que vous le croyez, ça ? On va refaire le pont. Pas bien. Je ne crois pas que nous soyons incapables de vivre en paix, de vivre en frère. Mais je crois que le dernier mot sera pour l'amour. Le jour viendra où il vaincra. J'ose croire qu'au milieu des obus reste l'espoir, que la bonté demain sera la loi. L'audace encore d'espérer que chacun vive dignement, trouve à combler la faim du corps, de l'esprit et du cœur. J'attends ce matin où tous les humains trouveront en Dieu la source de leur amour, la vie plus forte que la mort. Oui, que ce jour vienne, nous, loups, l'agneau, vivrons ensemble. Nous l'emporterons sur la peur. Et je crois que le dernier mot sera pour l'amour. Le jour viendra où il vaincra. J'ose croire, au milieu des obus reste l'espoir, que la bonté demain sera la loi. Sera la loi.
Vous avez deviné tout seul que nous allons maintenant rentrer dans la phase contemplative de la vie avec Dieu. S'arrêter, faire silence, prendre le temps, le temps d'une prière paisible, d'une pause, le temps d'écouter, le temps du calme, le temps d'écouter la parole de Dieu par laquelle Dieu nous murmure son amour. Dieu.
Alors, comme on a si bien entendu parler de la parole, maintenant il faut l'ouvrir. On vous invite à vous mettre à l'écoute de la parole pour y entendre un écho de notre vie, coram Deo, devant Dieu. Alors on va le faire ensemble avec un psaume qui dit tellement bien cela, notre vie devant Dieu. Le psaume 139, on en lira un très large extrait. On vous propose d'en faire une lecture chorale, puisque nous sommes une chorale. Une lecture méditative chorale. Alors comment ça peut se vivre ? Les versets vont s'afficher tranquillement. On va d'abord prendre le temps de les lire silencieusement. Et puis, librement, de votre place et spontanément, quelqu'un se lèvera pour lire le premier verset. Vous voyez, ça change de couleur à chaque changement de lecteur. On prendra notre temps comme ça. Et non seulement on pourra ainsi entendre les mots du psaume et la prière du psalmiste, mais on l'entendra aussi à travers la voix des uns et des autres qui reprennent cette prière qui est reprise depuis des siècles et dans laquelle tant et tant d'autres avant nous ont pu trouver les mots propices pour dire leur vie devant Dieu. Alors on commence par un silence et puis après, c'est à vous, librement, vous vous levez, vous dites à haute voix votre verset, vous enlevez votre masque pour cela, et puis après vous vous rasseyez, vous remettez votre masque. Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu sais tout de moi. Tu sais si je m'assieds ou si je me lève, longtemps d'avance tu connais mes pensées. Tu sais si je suis dehors ou chez moi. Tu es au courant de tout ce que je fais. La parole n'est pas encore arrivée à mes lèvres, que déjà tu sais tout ce que je vais dire. J'emprunte les ailes de l'aurore pour m'établir au-delà des mers. Même là, ta main me conduit, me guide, ta main droite me saisit. Si je dis que l'obscurité m'engloutisse, qu'autour de moi le jour se fasse nuit, pour toi, même l'obscurité n'est pas obscure. La nuit est claire comme le jour. Les ténèbres sont comme la lumière. C'est toi qui as créé ma conscience, qui m'a tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une aussi grande merveille. Quand tu me fascinais en cachette, quand tu me tissais dans le ventre.
étais-je encore informe, tu me voyais. Dans ton livre, tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi, sans qu'aucune d'elles ait pourtant existé. Il m'est difficile de saisir tes pensées, mon Dieu. Quel effort pour en considérer la somme. Si je voulais que les compter, il y en aurait plus que de grains de sable. Même si j'arrivais au bout de mon calcul, je n'aurais pas fini de te comprendre. Deviens en toi-même une maison de paix, un point tranquille tourné vers Dieu. Mets-toi à l'école du silence profond et vrai, qui n'est pas mutisme mais passerelle vers l'écoute et la communion. N'emplis pas tes jours de mots inutiles et d'agitation. Laisse le monde et approche-toi du Christ comme Marie à Béthanie. Respecte les lieux et les temps convenus pour le silence commun. Nos villes surchargées de bruit tuent dans l'homme ce qu'il a d'essentiel. Ouvrons-lui une porte au cœur purifié de notre amitié. Une invitation à détendre notre arc, à prendre du temps au calme pour nous ressourcer. Dégage-toi dans la mesure même où tu t'es engagé sans compter. Va prendre le large dans la mesure même où de tes frères tu t'es approché. Le cœur humain, même le plus généreux, n'est jamais inépuisable, Dieu seul est sans limite, Dieu seul est sans limite. Alors pars vers la source cachée de toute chose, reprends haleine. Respire, reprends.
quand tu demandes toujours plus à toi-même, tout au fond, c'est ton cœur qui se perd. Et la parole devient vide et muette en écho de ta prière inquiète. Pour retrouver un regard libre, il faut fuir vers l'eau tranquille et se tenir debout devant le maître de tout. Alors pars vers la source cachée de toutes choses, reprends haleine dans le repos du corps et de l'esprit. Apprends la lenteur, le temps du grain qui mûrit jusqu'à donner un épi de vie. Reçois la paix du Christ, reçois la paix du cœur, reprends haleine, rythme ta vie sur les pas du Seigneur, afin de mieux courir dans la voie qu'il désire, le cœur au large. Détends ton arc, respire. Détends ton arc, respire. Détends ton arc. Une invitation à saisir chaque instant qui nous est donné. Vis ce jour-ci. Thank you.
tu voudrais saisir le fil du temps. Te voilà déchiré entre après et avant. Est-ce que lâcher prise est si difficile? Alors que Dieu t'attend dans le moment présent, patiemment, vis ce jour-ci, Dieu te le donne, il est à toi, vis-le en lui, car le passé, Dieu le pardonne les jours. Sont à te porter, les jours suivants sont à te porter. Vis ce jour-ci, Dieu te le donne, il est à toi. Vis-le en lui, car le passé, Dieu le pardonne, les jours suivants sont à te porter, les jours. Ce morceau, ce texte plutôt, qui a inspiré ce morceau « Vie ce jour-ci » a été écrit par une certaine sœur Odette. J'ai découvert ce texte un peu par hasard. Sœur Odette a écrit ce texte avant d'être assassinée en Algérie, parce qu'elle était pour sa foi. Elle a vécu sa foi jusqu'à la mort. Et nous montre que parfois, la foi fait aussi partie de cet engagement qui va jusqu'à l'acceptation du sacrifice de soi. Et les mots de la catholique sœur Odette viennent résonner ici avec ceux du pasteur Dietrich Bonhoeffer, interné dans les camps de concentration pour son engagement de foi et son engagement politique. Et alors que Noël approchait, Bonhoeffer a écrit une lettre à sa famille, une lettre en forme de prière, dans laquelle il invoque la présence pour ceux qu'il aime et pour tous ceux qui partagent sa foi, la présence mystérieuse de Dieu, la présence du Saint-Esprit comme un bouquet, lui aussi mystérieux, de force, dit-il, de force positive, de force bienveillante, de force protectrice. Et voici cette lettre. Amen. Nous prendrons
vraiment gardés par des forces bienveillantes. Nos vies seront ta clarté, merveilleusement gardés par des forces bienveillantes. Tu es soir et matin, fidèle à nos côtés. Texte tiré de la règle de Rey et sobrement intitulé « Travail ». Je vous propose de vous lever. Et si notre foi, notre prière
ce monde où les épreuves subsistent. Nous aurons un cri, nous, l'humanité du Christ. Si ton travail ne grandissait ce que nous servons, geste de Dieu pour sa création, s'il devenait un prétexte de domination, courant après ce que le monde acclame, comme un tyran s'il étouffait nos âmes, nous perdrions nos jours. Nous perdrions nos jours. Mais si ton travail devient rencontre, s'il te conduit à Dieu, s'il t'ouvre la visible, sa présence en tout lieu, s'il allège les peines, il te libère, ton travail sera une louange sur la terre. Et si notre foi, notre prière, y gagne en vérité, une lumière éternelle, peu à peu s'égraver, une tenace espérance, une joie, au cœur de ce monde où les épreuves subsistent, nous serons appris l'humanité du Christ. Au cœur de ce monde où les épreuves subsistent, nous aurons appris l'humanité du Christ. Venant de différentes communautés, il y a parmi nous, vous n'êtes pas obligé de vous asseoir, si vous voulez rester, vous pouvez rester. Il y a parmi nous des protestants, peut-être qu'ils peuvent lever la main, des évangéliques. C'est des protestants aussi, je précise quand même. Des catholiques. Ça n'a pas commencé comme ça, là, maintenant. Des orthodoxes. Mais en fait, on est, normalement, on est tous un peu orthodoxes, tous un peu catholiques, tous un peu évangéliques. Et des anglicans, oui. Le chant qui va suivre, il a été écrit à une occasion justement de rassemblement de croyants ici à Lyon. Ça a été l'occasion du premier forum chrétien francophone. C'était le plus large rassemblement de responsables d'église jamais réunis en France. Ça allait des pentecôtistes charismatiques, néo-charismatiques jusqu'aux coptes, en passant par tout le reste. Et ce chant, il parle justement de ces passerelles que nous sommes invités à être et à tisser entre communautés, parce que Dieu lui-même, ben, il a fait une passerelle vis-à-vis de nous. Alors, on vous invite à chanter « Passerelle ». Peut-être on peut se lever. Nous sommes tes bras, l'une rive à l'autre,
de nos vies dépasserait. Que ton amour abaisse nos murailles et ton pardon comble nos ravins. Que ta grâce éclaire nos visages, frères et sœurs, pour être tes témoins. Béni soit Dieu, tu es notre Père. Sois l'esprit qui nous unit. Béni soit Jésus en qui j'espère. Béni soit le Seigneur de nos vies. Nous sommes tes mains, nous sommes tes bras. D'une rive à l'autre, un pont pour encore une fois, ensemble. Nous sommes tes mains, nous sommes tes bras, d'une rive à l'autre, un pont pour tes pas et ton esprit, bonne nouvelle, fais de nos déjà, quand il y a un pasteur qui parle, c'est long, mais il y en a deux. Qu'est-ce qui nous attend? On a trouvé peut-être beau, avant de chanter, de finir, en chantant encore une fois, ensemble, une dernière fois, vivant, comme un envoi, de dire ensemble une parole de bénédiction, de la dire d'une même voix. Une parole qui se trouve dans la Bible, vous pouvez la retrouver dans le livre des Nombres, chapitre 6. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Que le Seigneur vous regarde avec bonté et vous accueille favorablement. Qu'il vous manifeste sa bienveillance et vous accorde la paix. Tout instant.
Comment